parlais de les rapports d'événements. Et donc, je vous disais que c'est un outil qu'on utilisait pour pouvoir faire, pour pouvoir agréger les données, pouvoir avoir les données de façon cumulée, calculée. Mais on avait la possibilité d'avoir les données de façon individuelle, c'est-à-dire avoir une liste de lignes pour voir les informations. Donc, par exemple, si je voulais connaître le nombre de personnes ayant pris sa deuxième dose de Pfizer, je peux le faire, tout comme je peux savoir, avoir une liste des personnes ayant pris, par exemple, les vaccins Johnson & Johnson, par exemple. Donc, on a cette possibilité de pouvoir à la fois voir le nombre, mais aussi avoir une liste de personnes. Et vous allez voir au fur et à mesure ce qu'on peut faire avec ce système. Ce que j'ai expliqué, c'est ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on va passer certaines étapes. Et à chaque étape, vous pouvez poser des questions. Alors, on va essayer de tourner autour de ces objectifs-là. Donc, on va essayer de parler de l'application rapport d'événement et de parler des fonctionnalités. OK? On va expliquer la différence entre les événements et les enregistrements. OK? En fait, comment ça se traduit dans l'application. On va essayer de concevoir des rapports d'événements. On va aussi voir la différence entre les données répétées et les données non répétées. Comment ça se présente dans le système, comment on peut les utiliser. Et on va essayer de voir si, comment on fait pour en fait, avoir l'information sur plusieurs étapes à la fois dans le rapport d'événements. Okay? Parce que, en fait, on a la possibilité de voir tout au long du flux, OK, des données, comment la personne se comporte. Donc, par exemple, si une personne a pris son vaccin, on peut voir sur une liste, par exemple, le nom, le prénom, le vaccin, le vaccin qu'il a pris, la date qu'il a pris ce vaccin, et la deuxième fois qu'elle est venue, le vaccin qu'il a pris, on aura toutes ces informations, etc. Et donc, c'est possible de faire ça avec le Event Report, le rapport d'événement. OK? Donc, comme je l'ai dit, vous avez cette possibilité de voir l'information agrégée comme si vous êtes au niveau d'un tableau croisé dynamique. OK? Pour ceux qui ont déjà utilisé un tableau croisé dynamique dans DHS2, c'est pratiquement similaire. La présentation est presque la même avec quelques exceptions près. Mais vous avez aussi cette possibilité. Même si vous avez la possibilité de voir l'information de façon numérique agrégée, vous avez la possibilité aussi de voir l'information de façon détaillée avec des filtres que vous pouvez imposer. Bon, de toute façon, vous avez cette possibilité de mettre des filtres, que ce soit de façon agrégée ou de ligne au niveau d'une liste linéaire. Parce qu'ici, vous avez cette flexibilité de pouvoir présenter les données, agencer les données, filtrer les données quand vous le voulez. OK? Vous allez voir peut-être par après les indicateurs de programme qui, en fait, qui font pratiquement la même chose, mais de façon figée. Donc, on peut appeler dans un tableau croisé dynamique, par exemple. OK? Donc, les rapports d'événements, bien entendu, vous pouvez les enregistrer, les télécharger ou le mettre sur un tableau de bord. Comme tous les outils d'analyse de DHS2, vous pouvez effectivement faire ce genre de choses avec. OK? Bien entendu, ce qu'il faut noter, OK, c'est que pour pouvoir faire un tracker, vous devez savoir que c'est un programme que vous devez choisir. C'est basé sur les programmes, OK. Et donc, bien entendu, vous avez les trois dimensions d'analyse, les éléments de données ou les données, autant pour moi, les périodes, la période et les unités d'organisation, OK. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans mon introduction, il y a la partie, le type de rapport, où vous pouvez choisir événement ou enrôlement. Donc, événement permet de pouvoir lister toutes les informations d'une personne. Donc, par exemple, avec événement, on peut bien entendu voir dans une liste de lignes à chaque fois que la personne a un événement, une ligne. OK? Et pour l'enrôlement, ça ne serait pas de cette façon. Mais vous allez voir un peu comment ça se présente. OK? Comme je vous le disais, vous avez bien entendu dans vos trackers des étapes. Okay? Donc, on va se focaliser sur deux trackers. Le tracker de surveillance des cas de COVID-19 et le tracker sur la vaccination. Donc, vous allez voir que pour ces deux trackers, pour ces trackers en question, vous avez plusieurs étapes et bien entendu, vous avez des événements. Donc, selon ce qu'on veut voir, vous allez voir ce qu'on va essayer de présenter. Donc, par exemple, si je veux présenter une information sur
dans mon rapport d'événement et que je prends le type événement, par exemple, et que, par exemple, je vois que les résultats de labo, je peux voir les résultats de labo uniquement, mais je ne pourrais peut-être pas voir les informations liées au diagnostic initial. OK? C'est lorsqu'on choisit le type événement qu'on a, on a ses spécificités. OK? Donc, on est figé dans une seule étape. OK? Mais, par exemple, pour la partie enregistrement, on a aussi la possibilité de voir à travers le programme. Donc, par exemple, si je prends l'option enregistrement, j'ai cette possibilité de voir le nom, le prénom, savoir quel était le diagnostic initial. Je peux avoir les informations sur les analyses, OK? Les informations sur le résultat des analyses. Parce que si on a ces étapes-là, on a l'étape diagnostic initiale, étape demande d'analyse, et on a l'étape résultat d'analyse, et on a l'étape état du patient. Donc, ici, on peut, pour chaque étape, voir des informations spécifiques. Seulement, voilà, lorsque vous êtes au niveau des données, des éléments qui sont répétitifs, le système n'affichera que l'information la plus récente. Okay? Si, par exemple, on est au niveau de... Je crois que le lundi, on en a parlé. Par exemple, pour le laboratoire, on a des événements répétitifs. OK? Si les événements sont répétitifs, alors dans ce cas de figure, quand le système va le présenter, il va le présenter en présentant l'information la plus récente. Ça, c'est lorsque je prends le type enregistrement, d'accord? Vous allez mieux comprendre tout ceci lorsque je vais essayer de faire la présentation, la démo. Mais avant de passer à la démo, avez-vous des questions? Oui. Qu'est-ce qui peut être répétitif, par exemple, dans une étape donnée? Okay. Juste un exemple. OK, je vous donne un exemple. Comme vous allez pour... on va prendre l'exemple de la test COVID. OK? Une personne qu'on surveille, qui on surveille les cas de COVID. Donc, la personne vient, il fait un diagnostic initial. OK? Pour le diagnostic initial, c'est une information qu'on prend une seule fois pour de bon, on prend les symptômes, etc. Maintenant, pour les examens qu'on va lui faire, on peut lui faire un examen sérologique, on peut lui faire un test PCR, etc. Donc, on peut avoir deux examens différents. Dans ce cas de figure, vous allez créer un événement pour le test sérologique et un autre événement pour le test PCR. C'est bon? Donc, c'est répétitif, c'est un événement répétitif. C'est la même information seulement que vous choisissez selon les tests, les informations, les valeurs spécifiques. Maintenant, après, au niveau du résultat, quand vous avez fait deux analyses, vous allez avoir deux résultats. Et donc, au niveau du résultat aussi, c'est répétitif. C'est-à-dire que pour le premier résultat, vous allez remplir l'information. Et pour le deuxième résultat aussi, vous allez remplir l'information. Mais au niveau de la même étape, donc vous allez créer deux fois l'événement, mais c'est au niveau de la même étape. C'est bon? C'est clair? Mm-hmm, c'est bon. Et maintenant, dans le reporting, c'est le dernier événement qui s'affiche. Voilà, si vous prenez le type enregistrement, il va prendre le dernier événement. Si c'est un stade répétitif. C'est bon? OK. C'est ça, je précise, si vous prenez le type enrôlement ou enregistrement, il va prendre le dernier événement. OK? Maintenant, par exemple, je peux voir le nombre de tests qu'une personne a fait dans le système. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Donc, par exemple, je choisis son nom et je vais utiliser le type événement. Là, il va me lister toutes les tests que la personne a fait. Ah, OK. OK. Okay. Je prends okay. Événement. C'est bon? Mm-hmm. C'est bon, c'est bon. Okay. C'est clair, merci. Alors, nous allons peut-être augmenter la taille de mon écran pour que ça soit un peu plus visible pour tout le monde. C'est bon? La taille, c'est bon pour tout le monde? Oui, okay, ça va. Je suppose que c'est bon. OK, oui, ça marche. C'est bon. C'est bon. OK. OK, donc je clique sur rapport d'événement. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on a au niveau du tableau croisé dynamique. Pour ceux qui ont déjà utilisé le tableau croisé dynamique. Bon, vous allez avoir quelques différences, par exemple. Ici, vous avez style de tableau. OK? Donc, tableau croisé dynamique, liste de lignes.
Sortie, événement ou enrôlement. On venait de parler de ça tout à l'heure, d'accord? Donc, par exemple, je vais commencer en disant, OK, je vais par exemple voir, OK, le nombre de personnes ayant eu un test positif à la COVID-19 par âge, OK, et par sexe, OK? Alors, pour cette information, je vais tout d'abord choisir, parce que je veux voir le nombre de personnes, je vais prendre tableau croisé dynamique, alors l'information sera agrégée pour moi. OK? Bon, ici, dans mon cas de figure, je vais prendre événement. OK? Donc, il va me compter le nombre de fois qu'on a des tests positifs. OK? Donc, je prends événement et je dois prendre mon tracker en question. Le tracker en question que je vais prendre, c'est surveillance de... Surveillance basée sur le cas. COVID-19, surveillance basée sur le cas. C'est bon? Maintenant, pour les stades, je vais essayer de parler de ces stades en fait, lorsque je faisais peut-être ma présentation. Vous avez examen clinique et diagnostic. Vous avez demande de laboratoire et résultats du laboratoire, qui sont des stades répétitifs. Et vous avez résultats de santé. OK? Donc, je vais quand même poser une petite question. Si je veux connaître le nombre de personnes testées positives à la COVID-19, quel stade je dois prendre, selon vous? Étape 3. Résultat du laboratoire. Très bien. Donc, je vais prendre le résultat du laboratoire. OK? Et donc, je vais prendre résultat de test de laboratoire. OK. Donc, j'ai ici... le résultat du test de laboratoire, OK? Donc, tu veux voir ceux qui sont positifs, parce que c'est juste le résultat. Ça peut être positif, ça peut être négatif. On peut aussi ne rien mettre. Donc, j'ai mes options là, mais je ne vais pas encore les toucher, d'accord? Donc, je veux voir ça par âge et par sexe, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas de figure, je vais choisir l'âge, OK? Et je vais choisir le sexe. Donc, pour pouvoir, comme je n'ai pas trouvé le sexe à portée de vue, je vais le trouver en filtrant. Bien entendu, j'ai aussi cette possibilité de pouvoir parcourir. C'est bon? Si vous avez remarqué bien, vous avez DE à côté pour les éléments de données, PA, OK, pour les attributs comme préfixe, et PI pour les indicateurs de programme. Donc, c'est la façon dont on essaie de différencier les choses, OK? Donc, pour l'ordre ici, je vais vous montrer comment on peut l'ordonner. Je vais d'abord présenter ce que je veux, parce que je veux, autant pour moi, je n'ai pas précisé la période où je voulais voir l'information. Je veux voir l'information pour cette année, OK? L'année en cours. Et je veux aussi le voir pour tout le pays, OK? Notez bien, je crois que pour ceux qui ont déjà travaillé avec le tableau croisé dynamique, on a ce qu'on appelle les périodes fixes et les périodes relatives. OK? Donc, je reviens dessus. Les périodes fixes sont ici, OK? Qui sont des périodes genre janvier 2020, janvier 2021, mars 2022, 2021, 2019. Ce sont des périodes fixes. Et les périodes relatives ont comme pour référence aujourd'hui. Donc, quand je dis l'année en cours, on sait que nous sommes aujourd'hui en 2021, donc l'année en cours, c'est 2021. L'année passée, par exemple, c'est 2020. C'est bon? Donc, je reviens, je choisis mon unité d'organisation et je clique sur « Mettre à jour ». C'est bon? Alors, j'ai cette information, OK? Mais j'aimerais faire quelques modifications pour la simple raison que tout d'abord, je voulais voir les personnes qui étaient testées positives. Donc, dans ce cas de figure, je reviens ici et je dis, je veux voir que les gens testés positifs, je dis positifs. Et donc, je fais mettre à jour. Alors, j'ai cette information-là, OK, avec le nombre de personnes testées positives. Vous allez peut-être remarquer quelque chose, qu'il y a des tranches d'âge qui sont là. Mais on se demande comment se fait-il qu'on a des tranches d'âge déjà configurées par le système. En fait, le système applique une tranche d'âge, OK, qui se retrouve ici. C'est bon?
Mais on peut ne pas mettre de tranche d'âge. Si on ne met pas de tranche d'âge, alors il va mettre, il va faire une ligne pour 0, 1, on peut dire 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Mais ici, nous avons mis une tranche d'âge. Cette tranche d'âge se fait au niveau de la création des légendes. Donc, vous créez une légende et vous appliquez cette légende à l'âge. OK? C'est bon? Alors, je peux dire qu'il reste quelque chose à changer. J'aimerais un peu changer la mise en page parce que j'aimerais avoir en tête de ligne les âges. J'aimerais peut-être, comme on sait que ce sont que des tests positifs, on peut peut-être mettre positif dans le filtre, OK? C'est-à-dire ne pas le rendre visible. Et aussi, peut-être, je veux peut-être enlever des toutous et des sous-toutous. Donc, pour cela, je pense que vous le connaissez très bien. Si vous avez déjà utilisé un tableau croisé dynamique, si vous n'avez pas encore étudié le tableau croisé dynamique dans DHS2, c'est la partie mise en page qui permet de faire toutes ces modifications-là. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, je prends l'âge et je dis que l'âge va probablement rester en tête de ligne, mais que ce sera en tête de colonne. OK? Et cette valeur, je peux dire que je vais la mettre au niveau du filtre. C'est bon? Et je clique sur « Mettre à jour » et j'ai l'information présentée ainsi. OK? Bon, je peux aussi dire que j'aimerais un peu changer la présentation en enlevant les sous-totaux parce que je n'ai pas besoin de sous-totaux. Et donc, je vais enlever les sous-totaux. D'accord? Je peux aussi dire que je veux cacher les lignes vides. OK? Et je clique sur « Afficher ». Vous voyez que j'ai une présentation peut-être un peu plus différente et peut-être un peu plus digeste. OK? Dans ce cas, je peux l'enregistrer ou le télécharger. Donc, je vais essayer de l'enregistrer, par exemple. Donc, je viens ici, je clique sur enregistrer sous, comme on le fait d'habitude lorsqu'on va enregistrer un document Word. Donc, je vais appeler ça liste des cas positifs à la COVID-19. Cette année, là-haut. C'est bon? Et je clique sur enregistrer. Donc, voilà. Mais je peux aussi télécharger pour ma Excel, par exemple. OK? Et donc, j'aurai quelque chose qui se présente ainsi. D'accord? Bon, avez-vous des questions sur tout ce que j'ai fait jusqu'à présent? Alors, Jerry, oui. Comment est-ce qu'on peut avoir le nombre de cas positifs inférieurs à 20 ans et d'autres qui sont supérieurs à 40? Ah, très bien, très bonne question. Dans ce cas, on va le faire. Dans ce cas, on va dupliquer ceci. D'accord? On va enlever. Je ne vais pas mettre de tranche d'âge dans ce cas de figure. OK? Et je viens ici. C'est bon? Donc, vous avez dit supérieur à 20 ans, c'est ça? Inférieur à 20 ans. Inférieur à 20 ans. Et c'est tout. Ah, je pensais que vous vouliez 20 à 40 ans. Je dis supérieur à 20 ans et inférieur à 40 ans. OK. Supérieur à 20 ans. OK. Donc, on a 20. OK. Et inférieur à 40 ans. Je mets 40. Non, je dis supérieur à 20 et inférieur à 40. OK. Comme ça? OK. OK. Voilà. OK. C'est bon? Bon, j'ai enlevé les tranches d'âge.
juste comme ça. Maintenant, je peux, par exemple, si c'est ce que je veux, je peux, par exemple, aller dans la mise en page et à dire que je veux mettre l'âge dans le filtre. OK? Et peut-être mettre la période là. OK? C'est bon? OK. Maintenant, je peux aussi, autant pour moi, peut-être que je ne l'ai pas trop, je l'ai pas en fait parlé de ça, mais je peux en fait ordonner. OK? Vous voyez? Donc, par exemple, je peux dire que je veux voir ceci ici. OK? Mais présenté de cette façon. Donc, je peux dire que le résultat de test vient après période. Et vous allez voir que ma présentation sera différente. C'est bon? Ouais, période, oui, résultat. C'est bon. OK. OK, donc on a cette possibilité de pouvoir l'utiliser pour faire les analyses de ce genre. OK, donc maintenant je vais passer à faire, je veux en fait maintenant avoir, connaître le nombre de personnes ayant pris leur deuxième dose de Pfizer. C'est bon? En supposant que si on prend deux doses de Pfizer, on est complètement vacciné. OK? Donc, pour cela, je veux la liste, en fait. Et donc, pour ça, je vais venir ici et je vais prendre liste. OK? Bon, je peux rapidement faire ceci. Je peux, au lieu de vous montrer ça comme ça, je peux vous montrer cette possibilité où on peut cliquer sur nouveau pour recréer une nouvelle page. C'est comme si vous le faites avec un document Word. Je peux aussi actualiser pour avoir le même effet. C'est bon? Donc, en favori, on a la possibilité de cliquer sur nouveau ou de cliquer sur ouvrir pour retrouver quelque chose qui existe déjà. C'est bon? Et n'oubliez pas, vous avez à côté ici ce que je viens de créer. OK? Alors, je reviens, je clique sur mon nouveau et je dis OK, je veux prendre la liste. OK? Et cette fois-ci, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir le nombre de personnes ayant pris leur deuxième dose. Je peux rester sur événement parce que pour la simple raison que mon tracker qui gère la vaccination à un seul stade, vaccination. C'est bon? Peut-être que je n'ai pas parlé de ça, mais lorsque j'étais en train de présenter ou de faire la première démo, vous allez remarquer que j'ai pris les éléments de données, j'ai pris les attributs. Et donc, lorsque j'ai un stade, et lorsque je sélectionne un stade, les attributs sont automatiquement disponibles. Pour n'importe quel stade que je choisis, les attributs seront disponibles. OK? Mais n'oubliez pas, les éléments de données qui ne sont pas dans le stade en question ne seront pas disponibles. OK? Donc ici, par exemple, je vais prendre dose totale. OK? Mais comme c'est une liste, je vais peut-être connaître le nom. OK? Le nom, le prénom, le sexe, l'âge. OK? Donc, dans ce cas de figure, je vais chercher les attributs. Bon, j'ai la possibilité de filtrer. OK, nom, prénom. Je vais ajouter le nom du vaccin. OK. Le sexe. OK. Bon, ici, c'est la date de naissance. Mais je ne vais pas mettre la date de naissance. Mais en fait, ici, c'est l'âge. On n'a pas l'âge. OK, on a plutôt la date de naissance. Alors, je vais plutôt avoir toutes ces informations-là et je vais le faire pour cette année. OK? N'oubliez pas de décocher systématiquement ici. J'ai pris l'année en cours. Par défaut, cette information est cochée. OK? Mais je dois le décocher à chaque fois. Donc, je prends pour toujours là-haut. Et donc, j'ai ma liste, OK, des personnes. Mais vous allez remarquer que j'ai d'abord le nombre de doses avant le nom et le vaccin. OK, mais je veux le présenter différemment. Donc, pour le présenter différemment, c'est simple. Mise en page.
et je change la présentation. Donc, par exemple, je veux que le 12 soit la dernière chose qu'on voit. OK? Et après, on a nom de vaccin, donc nom, prénom, sexe et comment on appelle-t-on? Vous avez nom, prénom, sexe et vaccin. OK? Ah, peut-être je peux aller un peu plus loin pour voir si, par exemple, je peux voir la liste, OK, le nom des vaccins, et voir si il y a Pfizer, OK? Donc, je peux dire, je veux voir tous ceux qui ont pris Pfizer, la deuxième dose de Pfizer. Ici, j'ai Pfizer et j'ai dose. Seulement, voilà, je n'ai pas aussi l'information sur le nombre total de doses. Si je prends ici, j'ai toutes les doses. Ceux qui ont pris une dose, zéro dose, bon, c'est tout une dose. OK? Et pour avoir toutes les personnes qui ont pris deux doses, je viens dans total dose, je viens dans ce champ, je tape deux. Et je fais mettre à jour. Et donc, j'aurai exactement le nombre de personnes qui ont pris deux doses de Pfizer. OK? Et donc, j'ai cette liste. C'est bon? Jusqu'ici, tout va bien? Avez-vous des questions? Oui, ça va. Oui, okay. J'ai une question. Oui, allez-y. Oui, je voudrais savoir Quelle est l'approche utilisée en arrière-plan pour pouvoir calculer le total des doses? Est-ce le nombre d'événements ou bien dans la configuration? Je ne sais pas. OK, très bien. Mm-hmm. Ici, OK, dans ce package, en fait, vous avez... Ici, on n'utilise pas le nombre d'événements, mais c'est plutôt lorsque la personne enregistre, il met Pfizer, on demande est-ce que c'est la première dose, la deuxième dose, la troisième dose, etc. Donc, il choisit la dose qu'on a. Et donc, lorsqu'on choisit première dose, la prochaine fois que vous allez ouvrir votre tracker à l'étape vaccination, pour le deuxième enregistrement, la première dose n'apparaît plus, vous avez l'option deuxième dose qui apparaît seulement, par exemple, deuxième, troisième dose, etc. Donc, c'est ce qui nous permet, par exemple, d'avoir cette information-là. OK? Donc, ça dépend de la façon dont le tracker a été fait. Si, par exemple, dans votre tracker, vous n'avez pas le champ de nombre de doses, là, il faudrait, par exemple, utiliser un indicateur de programme. Pourtant, pour moi, j'allais dire programme indicateur. Donc, on prend un indicateur de programme pour pouvoir calculer ça. Oui, il va compter le nombre d'événements, par exemple. Okay? OK. Mais ici, c'est parce qu'on a un champ où on spécifie la dose en question, si c'est la première dose ou la deuxième dose. OK. OK. Alors, OK, c'est bon. Merci. C'est bon? Oui. OK, très bien. Donc, on continue? OK. Donc, ici, maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Je crois que je l'avais dit dans la présentation. C'est que je vais essayer de vous présenter les données, seulement la présentation, de la façon dont les données vont changer. Mais notez que lorsque je prends, par exemple, et peut-être que je vais dupliquer. OK. Je vais revenir sur l'ancien. Notez par exemple que si je veux voir le nombre de tests effectués pour la COVID, ou le nombre de résultats, prenons par exemple le nombre de résultats. Comme je vous ai dit, le nombre de résultats, le stade où on renseigner les informations sur le résultat est un stade répétitif. OK? Donc, lorsque je prends événement, le système va me compter. OK? Lorsque je prends type de sortie événement, le système va me compter tous les événements liés au résultat. OK? Mais lorsque je prends enrôlement, on va voir ça tout à l'heure, il va me compter le dernier résultat de chaque enrôlement.
vous allez voir que la valeur va changer. Donc, selon la façon dont vous voulez présenter vos informations, vous devez penser à quel type de sortie prendre. Donc, par exemple, je vais toujours prendre tableau croisé dynamique dans notre cas d'espèce. Je vais prendre événement cette fois-ci et je vais revenir sur mon tracker de surveillance des cas. Je vais prendre résultat toujours résultat de test. OK. Bon, je peux prendre l'âge hein, comme je veux. Et je prends toujours cette information pour l'année en cours. OK. Et peut-être que je vais vous montrer, bon, bien entendu qu'on n'a pas forcément besoin de choisir le niveau national. On peut prendre un niveau plus bas, par exemple. Donc, par exemple, je peux prendre ce niveau-là et je fais une mise à jour. OK? Donc, ici, par exemple, j'ai l'information présentée telle qu'elle. Je peux, bien entendu, faire quelques modifications. Par exemple, en cachant les lignes vides. OK? En masquant les lignes vides. OK? Et donc, vous allez voir que l'information diffère. Je vais revenir, autant pour moi, prendre le PDF pour mieux vous expliquer ce qui se passe. Et je vais peut-être encore être plus... positif, par exemple, et négatif. C'est juste pour vous montrer aussi qu'on peut choisir deux valeurs ici. Plus d'une valeur, quoi. OK? Donc, je clique sur « Mettre à jour » et j'ai l'information qui se présente ainsi. OK? Je peux aussi effectivement changer la présentation en ramenant ceci là. OK. Pour la période là. OK. Bon. Petit souci avec ma souris. Mais en fait, vous allez voir le total qui est ici là, qui va être vraiment différent lorsque je vais prendre enrôlement. OK. Donc, je vais refaire la même chose rapidement. Tableau croisé dynamique, je vais prendre enrôlement. Je vais prendre science basée sur le cas. Je prends laboratoire, je prends résultat, je prends l'âge comme je l'ai fait. Et je prends l'année en cours. Je prends ceci. OK. Autant pour moi, j'ai oublié de cocher. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes très vif là. C'est bon. Vous allez voir que la valeur, peut-être que je vais encore faire quelques petites modifications. Oups, voilà, c'est là. OK. Vous allez voir que les valeurs diffèrent. Ici, on a 1681, alors qu'ici on a 1680. C'est pour la simple raison que dans ce cas d'espèce, il va prendre le dernier événement lorsqu'on prend enrôlement. Et pour l'autre événement, il va prendre tous les événements possibles. OK? Bon, après, je vais essayer de vous présenter ceci. Imaginez par exemple que vous voulez avoir la liste. On est toujours, maintenant on est dans le cas du tracker pour la surveillance des cas de la COVID-19. Et je veux voir le nombre de personnes, bon, peut-être avec le nom, le sexe. OK. Je vois les personnes qui avaient par exemple un certain diagnostic initial. OK. Après, je veux avoir l'information sur les tests qu'ils ont fait effectuer. J'aimerais aussi avoir l'information sur le résultat des tests et à la fin, l'état du patient, s'il est guéri, s'il est toujours à l'hôpital, etc. Donc, je vais prendre ligne de liste, cette fois-ci, pas de liste de ligne autant pour moi. Je prends enrôlement, OK? Et là, je vais prendre mon fameux tracker. OK. C'est plutôt celui-là. Et je choisis. Vous allez voir que j'ai cette possibilité maintenant de choisir chaque stade. Donc, tout ce stade, par exemple,
Je veux voir, OK, pour diagnostic initial, OK. Je veux voir ceux qui ont été hospitalisés, OK. Bien entendu, les informations sur les attributs, OK, sont là, comme l'âge, OK, le nom. Le prénom, OK, et le sexe. Bon, je vais juste prendre le sexe et je vais peut-être enlever l'âge, OK? Et là, autant pour moi, je reviens sur mon tracker ici, OK? Maintenant, je veux voir les données de laboratoire, OK? Donc, je veux voir, par exemple, okay, la date où le prélèvement a été fait. C'est bon? Ou on peut, tant pour moi, le type d'échantillon. OK? Et au stade 3, je veux voir le résultat. Donc, résultat, laboratoire. Au stade 4, par exemple, je veux voir l'état de santé du patient. OK? Et le nombre de contacts suivis. C'est bon? Donc, j'ai pris des informations sur chaque étape. J'ai pris l'année en cours et je vais prendre pour là-haut. OK? Donc, j'ai ma liste ici. OK? Bon, avec l'ordre, un ordre que peut-être que je peux modifier. Et lorsque je vais modifier l'ordre, je dois aller dans mise en page, changer. Désolé, j'ai un petit souci avec ma souris, mais vous pouvez, peut-être vous avez remarqué un peu plus tôt que j'avais cette possibilité de pouvoir faire un drag and drop ou un cliquer-glisser. OK? Donc, je reviens là. Et donc, j'ai le nom, le prénom, la personne a été hospitalisée, le prélèvement qu'on a eu. Et les tests positifs. OK? Donc, pour chaque étape, j'ai des informations. Et si la personne a été remise, s'il est décédé, s'il est inconnu. Donc, je peux encore ajouter des filtres ici. Par exemple, je veux savoir ceux qui ont été hospitalisés. OK? C'est bon. Ceux qui sont bon, je vais peut-être prendre le sexe. OK. Peut-être je vais prendre celui-là. OK. Et ceux qui sont des tests positifs. Et bien entendu, l'état de santé, je veux voir ceux qui sont guéris. OK. Donc, je peux relier là. Et bon, je n'ai pas d'informations parce que tous les filtres que j'ai donnés sont il y en avait trop, OK? Mais grosso modo, vous avez la possibilité, par exemple, si je veux voir ceux qui sont tests positifs, OK, je reviens là, vous allez avoir une liste, OK, comme ceci, OK? Donc, ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que vous avez cette possibilité de pouvoir voir l'information pour chaque étape, OK, de votre tracker. Okay. Alors, avez-vous des questions? Oui, question. Oui, allez-y. Alors, considérant que nous avons utilisé le type de sortie enrôlement avec des données provenant pratiquement de tous les stages. Oui. Alors, dans le tableau que nous obtenons, supposons par exemple pour le même cas, pour l'étape 1, par exemple, il y a eu 2 événements. Pour l'étape 2, il y a eu 3 événements. Pour l'étape 3, il y a eu un seul événement. Alors, quelle information de chaque événement est affichée?
Je pose la question parce que précédemment, vous avez dit que si on combine enrôlement et puis événement, alors c'est le dernier événement qui s'affiche. Donc, dans le cas d'espèce, étant donné qu'il y a plusieurs étapes, quel est l'événement de chaque étape qui est affiché? OK, très belle question. Bon. On va, comme c'est un suivi de cas pour la COVID-19, on va revenir sur le stade de demande de laboratoire. Puisque le premier stade, c'est un stade unique, mais le stade 2 et le stade 3 sont des stades répétitifs. Donc, pour ces stades-là, lorsque vous choisissez enrôlement, il va prendre la dernière occurrence. OK, donc si par exemple vous avez dans ce cas de figure pour cette personne, OK, pour le lavage broncho-alvéolal, OK, c'est le dernier événement du stade. Voilà. OK. C'est le dernier événement. Et positif, c'est le dernier événement positif. OK, OK. C'est bon? OK, OK. Donc, pour celui-là, va prendre. Maintenant, si par exemple, vous voulez voir la liste, par exemple, je ne sais pas, pour cette personne en question, vous voulez voir la liste de tous les tests qu'il a fait, par exemple, de tous les résultats qu'il a reçus. Là, dans ce cas, vous allez choisir événement. Okay. Seulement, voilà, lorsque vous choisissez événement, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas présenter pour toutes les étapes. Donc, si vous prenez événement, vous devez revenir seulement sur la partie résultat de laboratoire. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand je choisis événement ici, par exemple, OK? Tout d'abord, il m'efface tout. Et lorsque je viens, par exemple, ici, je prends ceci. Je prends le 3 et je prends résultat de laboratoire. Et je prends le 4. Vous allez voir qu'il efface en même temps les informations du 3 que j'avais pris parce que j'ai changé d'étape. Donc, lorsque je prends événement, il va se focaliser seulement sur un stade. Donc, si par exemple, je vois le nombre d'échantillons, je fais une line listing, je vois le nombre d'échantillons. Dans ce cas de figure, je dois prendre ceci, par exemple, et je prends type d'échantillon, par exemple. Bien entendu, je prends peut-être le nom, prénom rapidement. OK. Mais lorsque je fais ceci, là, le système va me présenter à chaque fois le nombre d'échantillons. Peut-être ici, ce n'est pas visible parce qu'il faudrait que je filtre par un nom spécifique. OK? Mais si cette personne a fait deux prélèvements, il y aura la ligne des deux prélèvements dans le tableau. C'est bon? OK. Je vois la nuance. Merci. D'autres questions? Ah, ça veut dire que tout est clair, c'est bon ça. Bonsoir, monsieur. Question. C'est vraiment clair, c'est vraiment clair. Question. Okay. Oui, allez-y. Oui, au cas où on pourrait télécharger les deux fichiers, c'est-à-dire on prend enrôlement et qu'on veut prendre l'événement pour avoir la liste de tous les événements, parce que de toutes les façons, on ne peut pas l'avoir si on prend un enrôlement. On veut sortir DHIS2 pour joindre ces deux fichiers, quel est le champ qui peut nous permettre de faire le lien entre ces deux fichiers-là? Très intéressant, très bonne question. OK. Dans ce cas de figure, vous devez, par exemple, quand il s'agit de comment appelle-t-on, de suivi de cas, OK? Vous allez avoir, je vous ai expliqué que les attributs sont toujours là, même si vous changez les étapes. C'est bon? Oui. Alors que dans les attributs, on a deux informations ici qui sont uniques. C'est bon? L'idée locale et l'idée automatiquement générée. Bon, ici, il n'y a pas d'idée locale, mais il y a l'idée locale. Okay. Donc, je peux télécharger l'autre avec toutes les étapes et je vais télécharger celui avec les événements.
Et alors, dans ce cas, je peux aller dans Excel et faire recherche IV pour pouvoir faire une correspondance avec l'ID local. Et je vais retrouver. Okay. Je peux aussi utiliser Access, par exemple, pour pouvoir faire une jointure. C'est bon? OK. Très bon. Merci. De rien. Ici. Oui, allez-y. Oui, je n'ai pas bien suivi. Vous pouvez m'aider à comprendre la différence entre l'événement, oui, et l'enregistrement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé aussi la question de l'inscription. Est-ce que entre les trois, là, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est ça qui a influencé le tableau que vous avez sorti et qui a mis une différence les totaux, là, les deux totaux, un donneur, 1180, quelque chose, 83, quelque part. Je veux bien comprendre comment ça, ce qui a été à l'origine. Je veux bien. Merci. OK, merci. Bon, c'est vrai que le jargon ici, on a un seul nom pour l'un et l'autre. On a souvent tendance à utiliser trois noms. Il y a deux concepts pour le type de sortie, événement et enrôlement. L'enrôlement aussi, parfois, lorsque je parle d'enregistrement. Donc, si vous avez vu dans mon slide, j'avais dit enrôlement slash enregistrement. Bon, certains aussi l'appellent inscription. C'est bon? Oui. Mais l'enrôlement ici, certains l'appellent inscription, d'autres l'appellent enrôlement, d'autres l'appellent, comment on appelle-t-on, enregistrement. C'est bon? Donc, oui. on va rester sur ce principe de événement enrôlement. OK? Oui. Donc, événement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez événement, le système va compter tous les événements liés à une personne ou il va compter tous les événements liés aux critères que vous avez choisis ici. OK. Le critère que vous avez choisi, ce sont des critères de sélection, des filtres, je peux dire. Donc, selon les filtres, il va vous lister tous les événements. C'est bon? Oui. Mais l'enrôlement, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque vous allez appliquer les filtres et tout ça, il va lister tous les enrôlements, c'est-à-dire tous les enregistrements. Je donne un exemple. Lorsque une personne est positif ou une personne ne se sent pas bien, va dans un établissement et on suspecte le coronavirus ou la COVID-19. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'on peut décider de lui faire deux tests. C'est bon? Un test sérologique ou un test PCR, par exemple. Oui. Donc, lorsqu'on va faire enrôlement, le système va compter la personne qu'une seule fois. Oui. C'est bon? Oui. Et il va supposer, pour le nombre de tests, on aura le test le plus récent. OK? OK. OK. Mais quand vous prenez événement, pour cette personne, il va voir qu'il a fait deux tests. Oui. C'est bon? Oui. Et va compter les deux tests. C'est pour ça que les deux valeurs diffèrent. Okay, et que la partie événement était plus supérieure, était supérieure à la partie enrôlement. Parce qu'enrôlement, il va compter une seule fois. Même si vous avez fait deux tests, il compte un seul enregistrement ou un seul enrôlement, autant pour moi. Mais pour la partie événement, il compte tous les événements. J'ai bien compris, merci beaucoup. C'est bon? Oui, c'est bon, merci beaucoup. De rien. Ne vous inquiétez pas pour les réponses sur Slack, nous allons les répondre s'il y a des réponses sur Slack. Je vais peut-être essayer de voir si je peux avoir aussi des messages au niveau de la discussion. OK. Donc, je pense que le champ commun, c'est déjà répondu à la question. Autant pour moi. Oui, c'est fait. J'ai répondu à cette question aussi. OK. OK. Oui, stage égale à étape programme tracker. Vous avez parfaitement raison. Oui, y a-t-il possibilité de transférer les données via Excel? Oui, vous pouvez télécharger, il n'y a pas de problème.
Donc, vous avez la possibilité d'avoir sur Excel et d'autres outils aussi d'analyse, OK? S'il vous plaît. Oui. Alors, oui, en fait, je vous entends. J'aimerais approfondir les notions d'événement et d'enrôlement. Au fait, de votre explication, l'enrôlement, l'événement, il compte le nombre de fois où le processus est. C'est-à-dire, si on fait, si une personne reçoit un vaccin, par exemple, deux ou trois fois, lui va compter tous les trois fois ou tous les deux fois qu'il a reçu. C'est bien ça. Hein? Mais l'enrôlement, lui, je vois que c'est beaucoup plus lié à la personne même. C'est-à-dire, dès que la personne est déjà dans le système, il prend en compte ça. Maintenant, au fait, c'est un peu pour nuancer les analyses, quoi. C'est-à-dire, à quel moment il faut utiliser l'événement, à quel moment il faut utiliser l'enrôlement, puisque c'est différents résultats qui s'affichent. C'est ça ma question, pour vraiment approfondir ces notions. Parce que je vois que c'est important et c'est uniquement d'entrée qu'on a cela. OK, très bien. Je vous donne deux exemples, mais pas sur la vaccination, mais sur la surveillance des cas COVID-19. Donc, je veux voir toutes les personnes, par exemple, OK, qui ont été guéries, tous les cas guéris, ou toutes les personnes guéries, par exemple, OK? La COVID, je vais voir la liste. OK? Dans ce cas de figure, je vais prendre enrôlement parce que ce qui m'importe, c'est la personne enrôlée et, bien entendu, le résultat final. Il a été guéri. C'est bon? Je suis. OK, très bien. Maintenant, si par exemple, je veux voir combien de tests j'ai fait pour cette année, ok, je peux dire combien de tests j'ai fait cette année, ok. Dans ce cas, il est possible qu'une personne ait fait plusieurs tests. Dans ce cas de figure, je ne peux pas, je ne peux pas prendre enrôlement, je prends événement. Là, j'aurai la, je vais savoir combien de tests j'ai fait, je peux avoir la liste, je peux avoir le nombre de tests que j'ai fait. C'est bon? Donc, lorsque il y a redondance des informations, je peux utiliser événement. Voilà. Et si, par exemple, la redondance est pertinente, par exemple. Par exemple, ici, je dis, par exemple, le nombre de personnes guéries, je veux juste savoir, vous avez été guéri, c'est bon. Bon, combien de tests positifs, combien de tests on a fait qui ont été négatifs, je ne veux pas savoir. Je veux savoir que vous êtes guéri. Et donc, dans ce cas de figure, vous voyez que j'ai juste besoin de votre... J'ai besoin de l'enrôlement parce que je veux juste vous connaître le résultat final. Mais si, par exemple, je veux connaître le nombre de tests effectués, là, dans ce cas, la redondance est impertinente parce que dans ce cas de figure, je veux voir à chaque fois que je fais un test, même si c'est pour la même personne. Okay. C'est bon? C'est bon. Mais dans l'exemple que vous avez donné là, pour le nombre de cas guéris, je pense, hein, bon, je peux me tromper. Je pense que utiliser événement et enrôlement, ça pourrait donner les mêmes résultats. Hein. Si on va prendre le nombre de personnes guéries, parce que là, il s'agira de voir si effectivement c'est guéri. Je vais choisir peut-être un élément de données, je ne sais pas, qui est peut-être la guérison. Au fait, pour moi, que ce soit l'enrôlement à ce niveau-là ou l'événement, ça va décrire la même situation. Oui, oui. Dans ce cas spécifique, ça va décrire la même situation. Mais dans d'autres cas, ça ne va pas forcément décrire. Ça va pas. Mais donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est pour le cas spécifique que je viens de donner, si vous prenez événement, vous allez avoir les mêmes valeurs. OK. Donc, pour la simple... c'est en fonction de ce qu'on recherche, qu'on veut. Voilà. On doit prendre l'un ou l'autre. Voilà, tout à fait. Merci. De rien. OK, je pense que nous pouvons nous arrêter là.